Nous sommes déjà là en famille. Mais avant de commencer, je tenais vraiment à vous remercier pour votre travail que vous abattez au niveau du football féminin, parce qu'il y a de cela 5 à 6 ans, on ne parlait pas du football féminin au Cameroun. Même quand on jouait dans un stade, il n'y a que nos familles qui nous supportaient, qui venaient nous soutenir. Aujourd'hui, quand on joue un match, vous communiquez, vous faites passer des messages, même quand on est en club, on joue, vous relayez parfois les résultats de nos matchs. Sincèrement, je tenais à vous remercier pour cela. Et si vous continuez comme ça, dans 3, 4, 5 ans, il y aura d'autres Inganamwe, d'autres Aboudi Ongene, d'autres Shoot Adjara. Et déjà, c'est mon souhait d'avoir la nouvelle génération qui arrive et qui pourront peut-être faire mieux que nous. Donc, c'est mon message que je tenais à vous faire passer ce soir. Déjà, on a terminé le match 0-0. C'était une grosse déception pour nous déjà parce qu'on savait que les Camerounais attendaient plus que ça. Mais après, il ne faut pas aussi cracher dessus parce qu'un match nul nous permet quand même de se qualifier. Maintenant, il faut qu'on se concentre sur les prochaines échéances qui arrivent. En sachant qu'on a un match difficile contre la RDC qui arrive, il faut se concentrer dessus et essayer un peu de faire mieux parce qu'il faut maintenant qu'on essaye un peu de corriger les erreurs qui sont passées. Donc, moi et Nongachu, il était avec nous comme un papa. Quand je suis arrivée à l'équipe nationale, je ne connaissais rien. Et Nongachu nous a appris comment être une femme, parce qu'il communique beaucoup avec nous. Il nous prend d'abord comme enfant et papa. Donc, parfois, quand on a même les problèmes en famille, il essaye un peu de gérer. Il y a d'autres coachs qui ne savent pas aussi ça. Vous savez, gérer les femmes, ce n'est pas aussi facile. Donc, ce sont des différentes personnes, on ne peut pas les comparer. Maintenant, en termes de travail, chacun a sa façon de travailler. On essaye un peu de s'adapter par rapport à leur système de jeu.